bienvenue à la ferme Sautel, que mon mari dirige avec mes enfants et moi-même. Alors nous démarrons la saison d'asperges, là depuis une semaine. On les ramasse et on les conditionne nous-mêmes, tout part de la maison, tout conditionné. Alors les variétés, nous avons nous de la blanche principalement, la Cito et la Lara. Nous faisons aussi de la verte violette, c'est en général celle que les hommes n'ont pas vue la veille, quoi. L'asperge, ça ne fait pas grossir, c'est très bon pour la santé. Et puis alors, un très bon plat d'asperge, c'est un gratin d'asperge aux fruits de mer. C'est très très bon. Sinon, ça se mange cuit à l'eau ou à la vapeur et avec une bonne sauce mousseline. Une mousseline, c'est une mayonnaise avec des blancs d'œufs battus en neige. Alors, nous vendons toute la journée à la ferme. Vous pouvez venir quand vous voulez. À n'importe quelle heure, ça ne nous dérange pas. Et tous les jours, sauf le dimanche après-midi parce que je fais la sieste. Alors entre autres des asperges, nous avons des œufs, nous avons des cerises, des abricots, des nectarines blancs et jaunes, des pêches blanches et jaunes, des pommes, et ça tout le long de la saison. Et puis nous sommes aussi importants producteurs de pommes de terre que je vends moi toute l'année sur le marché et dans les guinguettes. Alors nous faisons également aussi du vin, nous-mêmes nous avons notre cave. Donc, nous faisons exclusivement du vin rouge pour l'instant, et du Côte-du-Rhône et du vin de table. Et puis, avec nos pommes de second choix, nous faisons faire du jus de pomme, mais que avec les pommes. Il n'y a pas de sucre rajouté, rien du tout. Voilà. Tous ces produits peuvent s'acheter à la ferme également. Nous avons aussi, ma fille et moi, une petite exploitation de bois de chauffage, et nous livrons les clients aux alentours. C'est une exploitation familiale, nous travaillons tous ensemble et en ayant diversifié, en faisant plusieurs produits, ben, on peut un petit peu mieux y arriver. Parce que le vin en ce moment, c'est pas la gloire. Hein. Donc nous avons le suivi du départ à la fin de nos produits. Nous les semons, nous les soignons et puis nous les récoltons. Ce sont des produits sains, nous sommes en culture raisonnée et nous avons beaucoup de gens qui viennent à la ferme et qui sont contents de ce qu'on leur offre, quoi. Et on en attend d'autres.